Salut tout le monde, c'est Camille pour le 127e épisode du Witcher 3. Je suppose que c'est là qu'il faut aller. Oui. 127, c'est un truc de fou quand même là. En retard. Pourquoi ça ne me surprend pas? Plus tard. Ah oui. De glander. Ah bah putain. Eh bien, je ne pensais point que vous aviez le sens de la mode. Mais on a le même stuff. Pas mal du tout. Rien à voir avec un artiste en herbe, bien sûr, mais... Un dernier détail. Le masque. Tenez, mettez ça. Un masque? Le masque est de rigueur aux soirées de la Mandragore. On ne demande point aux gens masqués qui ils sont. Ouais. Pourquoi ils portent un masque? Je m'y attends un peu, mais je vais demander. On sait un peu qui on est là, par contre. Vous savez pourquoi ils portent des masques? Peut-être parce qu'ils trouvent ça extrêmement romantique et mystérieux. Mais l'explication la plus simple est qu'ainsi personne ne peut dire quel aristocrate ivre pince les artistes. Ok, bon bah on y va. Allons-y, la soirée a commencé. Vous avez bien fait de dissimuler vos armes, autrement ils nous auraient refusé l'accès. Ouais, normal. Après, j'ai pas spécialement besoin d'armes. On a tous le même masque? Comment allons-nous trouver le Saint-Trien? Avez-vous un plan? Oui. Ce qui compte, c'est de ne pas l'effrayer. Essayons d'abord de trouver sa partenaire, Cecilia. Cela attirera moins l'attention. Dès qu'on l'aura, nous le tiendrons aussi. D'autant qu'il nous attend peut-être. Que voulez-vous dire? J'ai croisé quelques-uns de ces hommes en ville. Ils savaient qui j'étais et ont tenté de m'avoir. Oui, vous avez raison. Nous devons être prudents. Venez, c'est à nous. Madame, monsieur, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir à la soirée de la Mandragore. Ce soir, je vous conseille de faire particulièrement attention aux prestations des artistes de notre communauté. Quel genre de prestations, hein? On peut en savoir plus sur ces prestations? Ce soir, la Mandragore a l'honneur de présenter trois superbes représentations artistiques. La première était un concert de Cecilia Bellante, une chanteuse dont la voix est un véritable trésor. Hélas, Mademoiselle Cecilia a déjà chanté. Dommage, nous aurions adoré l'entendre. Heureusement, vous arrivez à temps pour voir le grand Calesti, un maître des illusions d'optique qui nous vient d'Ophir. Ophir. Des illusions d'optique, intéressant. Et le troisième artiste? Les troisième et quatrième, car il s'agit d'un duo, sont les frères Tuven, qui présentent leur dernière pantomime. Ok, Cecilia Léo. Nous espérions vraiment rencontrer Cecilia Bellante. Seriez-vous de ses admirateurs? Je suis sûr que vous aurez tout le loisir de discuter avec elle. Il ne va point être simple d'identifier quelqu'un dans cette foule. Pourriez-vous nous aider à la trouver? J'ignore où elle se trouve en ce moment, mais je puis vous donner un indice. Elle porte un masque. Nous sommes toutes oui. Cherchez l'orchidée du Covir. Ce qui veut dire... Qu'elle doit avoir une fleur. Cecilia en porte une dans ses cheveux. Vous la reconnaîtrez facilement avec cette fleur. Eh bien, dire que Jasquier se plaint toujours de l'extrême pauvreté des artistes... La résidence n'appartient à aucun d'eux. Ils ne sont que des invités. C'est Oriana, la propriétaire. La femme à la robe noire, là, sur ce balcon. Je la vois. Elle ne porte pas de masque. Ce serait inutile. Tout le monde la reconnaîtrait quand même. Cherchons l'orchidée du Covir. Si nous trouvons Cecilia, nous trouverons le Saint-Trien. Pardon. Il y a des nobles de partout. Ah,
Le sens de sorceleur ne sert à rien. Allez-y, Gérald. Courage. Merci. Alors, tiens, on va commencer dans l'ordre. Mes chers amis, une autre âme semble désireuse d'exprimer. Quoi ? Ça alors, vous aimez l'art moderne ? Je sais pas ce que je dois faire en fait. Alors, on va regarder un truc. Lit de peinture, c'est ça. Je sais, il s'agit de la cendre. Ce n'est pas un paysage, bande de béotiens. C'est la manifestation de l'âme humaine. Voilà. Est-ce que je vais... Pardon. Je voudrais juste poser la peinture, en fait. On va prendre celle-là. Ah si. C'est beau hein. Et vas-y. Là. Allez. J'ai plus. Ah j'ai que deux billes, d'accord. Et enfin la dernière. Voilà. Le ciel de tout ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Certes, c'est un chef-d'œuvre en deux. Et voilà, rideau. À présent, accordez-moi un instant de réflexion. C'est gentil. Ce que j'en pense. Le tableau montre la dualité spirituelle. Le combat incessant entre le bien et le mal. Et le défi. Oh, oui, c'est lui. Le bien contre le mal. La dualité de l'homme. Et le défi. Ok, alors là ce que j'ai voulu faire, c'est les... en vert c'est les yeux, en bleu c'est... Non, en bleu c'est les yeux, en vert c'est le nez, et en rouge et violet c'est la bouche. C'est ressemblant, hein. Bon. C'est quoi ça? De l'absinthe, la boisson préférée des artistes. On va y aller doucement. J'ai acquis une assez bonne résistance. Oh la vache! Tu sais, je vais en cueillir, on sait jamais si un jour je n'en ai pas besoin. Maître des arts. Alors. Alors, pour ceux qui veulent lire, évidemment. Sorceleur. Ok. C'est tentant, faut finir cette pipe bla 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 avant bien que tu veux. Ce qui leur importe, c'est l'argent et la prétention. Je m'étais préparé à toutes les critiques, mais pas ça. J'ai passé tant de temps à peaufiner cette pièce seule en scène. D'accord, le pire, c'est que Joseph, pour l'instant, on va aller dans un autre lieu, on va aller faire la fête encore. Je crois qu'il lance des sorts. Ouais, on va aller voir. On verra. On va aller faire les mimes. On peut ou pas ? Point fait l'effort de propos. C'est un fort de la lutte incessante pour le pouvoir et l'influence. Une métaphore. Que vont-ils encore faire ? Bah merde, je peux pas. Et fini la lutte incessante. C'était écrit quelque chose tout à l'heure. Ah oui, c'est ça, enflammé en fait. Il y a un truc là. Putain, mais il y a juste une... Impressionnant. Une marche de... Ah, voilà. Je sais pas ce que c'est fait. Bon, bah, voilà. Regardons sur la carte un peu où on en est. Donc là, c'est quoi ça? L'homme de Sintra est... cherché dans les alcôves, d'accord. Et bah, facultatif. On va commencer par le facultatif. Quand même, je trouve ça rigolo le concept. Ouais, d'accord.
Vas-y, marche dans l'eau, c'est génial. Bien, essayons. Je ne pensais pas que vous croyez. Pas du tout. Ok, bon bah on a lâché notre lanterne. Voilà, voilà, des pommes. Ouh, j'ai cru que j'allais m'éclater sur elle. Donc toi t'es déjà bleu. Ok. Donc j'ai absolument pas regardé s'il y avait Maître des Arts, on l'a vu tout à l'heure. Donc on va pas aller dans cette alcôve là, on va aller dans l'autre. Bon allez flipper là. Le grand vésir Khaleesi. Je peux rien faire avec toi. Hein. Ok, alcôve suivante. Ah, ils sont là. Qu'il y a un... C'est bien. Voulons être seuls, s'il vous plaît. Pardon. Nous sommes occupés. Ok, bon bah attention. C'est une origine. Partez. C'est une alcôve privée. Fichez-nous la paix. Oui, bon bah. Verrouillé, évidemment. Il y a encore une alcôve là. Bonjour. Salut, je ramasse tout. Cherchez les alcôves, une femme avec une orchidée de corrier dans les cheveux. Donc là, elle en a pas. Oui, oui, c'est privé, je sais. Donc là, elle a pas l'air d'en avoir. Sûr que c'est un... Ouais, ta gueule. C'est une... Il n'y a pas l'air d'en avoir. Oui. Allez, tiens, ça va faire de la bouffe. Que... Tadam, plein de balles. Bon, ça va être fermé là aussi. Non, c'est jouable. Ah. Ah bah, c'était là. Le dernier endroit, forcément. Et à poil. Oh non. Allons, ne nous dérangez point. Oust. Une orchidée dans les cheveux. C'est la bonne fleur. Évidemment, l'orchidée du Kovir fait un contraste parfait avec sa peau. Je dois parler à votre modèle. Ça ne prendra qu'une minute. À moi? Ne bougez point. Parlez si vous voulez, mais par pitié, pas un geste. Joli portrait. Un peu de flattage. Eh bien. Impressionnant, ce portrait. Je reconnais ce style, cette touche. C'est Dorian Vilès. Auriez-vous entendu parler de moi, madame? On dit qu'Anna Henrietta en personne voulait que vous peigniez son portrait. Ah, le chambellan du palais m'a contacté à une époque. Mais il a fini par refuser mes conditions. Quel était le problème? Quand il a su que je ne peignais que des nus, il a rompu tout contact. Il disait ne point vouloir offenser son illustre majesté avec une telle proposition. J'ai toujours voulu la peindre. Quel dommage. Je crois que vous avez encore vos chances. Bon, t'es Cecilia... Bellante. Nous tenions particulièrement à vous rencontrer. Moi? Oui. Mais... Pourquoi donc? Le noble Saint-Rien avec qui vous êtes venu. Nous avons des questions à son sujet. Le noble Saint-Rien? Oh! Vous devez me prendre pour Cecilia. C'est à cause de l'orchidée. Je vous ai dit de ne point bouger. À la fin de sa prestation, Cecilia a lancé la fleur dans la foule et je l'ai attrapée. Cela dit, j'ai bien vu le noble. Nous aimerions vraiment lui parler. À quoi ressemble-t-il? À plein d'hommes ici. Grand, brun, masqué. Vous savez peut-être où il est? Il a donné un petit cadeau à Cecilia. Une boîte en forme de cœur. Ensuite, ils sont partis ensemble vers les rafraîchissements. Madame, monsieur, je m'excuse, mais je ne peux point travailler dans ces conditions. Vous devez partir. Bon, on va aller chercher l'apéro maintenant. Donc on a déjà bu un verre, faut y aller doucement quand même. C'est...
Quelqu'un a laissé son luth. On dirait presque celui de Jasquet. On l'a frappé avec un jour. Une boîte vide, en forme de cœur. Cécilia a dû la laisser là. On dirait qu'elle contenait un flacon de parfum. Un cadeau du Saint-Trien, j'imagine. L'odeur flotte toujours dans l'air. Suivons-la. On va juste regarder l'exemple. Du fistec. C'est comme ça que les artistes oublient leurs troubles existentiels. Je préfère m'abstenir de tout commentaire. Ok, donc on va suivre le parfum. Il est là le parfum. Vous voyez pas. Ah vache, elle a déambulé là. Vache. Ça me gratte le nez, c'est juste horrible. Ce doit être une personnalité, croyez-moi. Avec... Ah. Allongé. On est passé à côté d'elle, du coup, tout à l'heure, je pense, non? Et s'il ne venait pas, il ne viendrait pas. Comment peux-tu en être aussi sûr? Bonjour. Désolé, seuls les artistes de la Mandragore sont autorisés. Venez, il faut réfléchir à un plan d'action. Bonjour. Devant le garde. Je reconnaîtrai cette voix entre mille. Vous devez me prendre pour quelqu'un d'autre. Mais j'ai servi 15 années au palais. Votre Majesté, je ne pourrais vous confondre avec personne d'autre. Chut, pas si fort. Nous sommes ici incognito. C'est une affaire d'État. Bien, Votre Majesté. Que puis-je faire? Déjà, tu dis à personne que tu nous as vus? J'espère qu'on peut compter sur votre discrétion. Bien sûr. Je serai muet comme une tombe. Intérêt. Et est-ce que tu as vu Cécilia Bellante? Nous cherchons Cécilia Bellante. Vous l'avez vue? Elle est dans sa loge. Elle y est entrée avec un noble. Visiblement, il y avait quelque chose entre eux. À quoi ressemblait l'homme? Grand, large d'épaules. Une barbe noire qui dépassait de son masque. Et il parlait avec un accent étranger. Un accent traînant. Traînant? Ça doit être lui. Il faut vite nous rendre à la loge. Oui, Votre Majesté. Je vous y conduis. Non, restez ici. Si quelqu'un tente de fuir, arrêtez-le. Compris. Ah là, très bon plan. Par contre, reste pas au milieu de la vite, porte. Vite, à l'étage. Bah, accélère, Majesté, là. Putain, ah là, le parfum est toujours là. Ce doit être Cécilia. Oh, égorgée. Trop tard. Elle est morte. Il lui a tranché la gorge. Quelle brute! Bon. S'il était sorti, le garde l'aurait vu. Il ne peut pas être allé bien loin. Retrouvez-le avant qu'il fasse une autre victime. Je vais prévenir Oriana. Elle doit mettre un terme à sa soirée. Non. Non, je reste avec vous. Gérald, tout ira bien. Occupez-vous de cet assassin, je vais chercher de l'aide. Il est parti par la fenêtre. Alors, faut chercher des gouttes de sang, peut-être, vu qu'il a égorgé. J'opte, hein. On examinera. Il est sorti par le balcon après l'avoir tué. Supputation. Bah, je ramasse un peu, hein. Je suis pas riche. Voilà. Ah. Il a arraché la porte pour en faire une plateforme. 22 mains ensanglantées. Malin. C'est la sienne. Fort comme un bœuf. Ouais. Du coup. Il a brisé le pot de fleurs en déplaçant la porte. Puis il a marché dans la terre. Ok. Comme par hasard, il a marché dans la terre. Il a grimpé à cette échelle. Ah d'accord, je l'avais pas vu l'échelle. Pas génial, du coup. Enfin, moi, je me verrais mal que mes voisins aient un accès d'échelle jusqu'à chez moi. Il n'y a plus de terre, c'est ça, hein? Bon, bah... Je dois rester vigilant.
Il est peut-être encore dans les parages. Un miroir. Un miroir, passé. Oui. Quelqu'un l'a percuté avant de s'effondrer au sol. Je viens de flipper. Ah merde, je peux pas mettre mon boucle là. Alors, j'ai cru qu'il y en avait un par là. Bon, mais c'est par ici. Des taches de sang. Merde, sauvegarde, j'ai fail. Eh bien, moi je vous donne rendez-vous pour la suite. Allez, ciao tout le monde. Ouh.